Par exemple, aujourd'hui, j'étais en livraison de séromacide. Donc, je livrais donc, le séromacide dans l'exploitation agricole, dans les porcheries. Donc là, j'ai fait 3 livraisons de séromacide, plus une crème à Landerneau ce matin. Et là, je viens de finir. Et là, il est quelle heure? Et donc là, il est 14h. Donc, j'ai commencé à 5h. Donc, ça fait 7 et 2, 9, de 9 heures de travail. Quoi. Ce qui nous plaît, nous, c'est que, bon, on part le matin, bon, on sait ce qu'on a à faire. Et puis, on est indépendant, en fin de compte. Le matin, quand on part, bon, en fin de compte, on a le camion. Puis après, on s'en occupe toute la journée. Moi, je pense que c'est ça, c'est le fait d'être indépendant. Moi, je pense que, dans ce monde, des jeunes qui doivent être intéressés avec ça, hein, c'est clair. Hein. Je commence ma journée à 5h le matin, bon, debout à 4h. Quoi. Et ça fait combien d'années que c'est ça? Ça fait 37 ans. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé? La taille des bacs, les fermes qui s'agrandissent, qui se regroupent. À l'époque, quand j'ai commencé, on faisait 80 fermes dans la journée en ramassage. Et maintenant, on fait une quinzaine. Je ramasse sur le secteur de Morlaix, donc Poudaniel, Morlaix, ça fait quand même pas mal de kilomètres. Quoi. J'ai été formé en interne par un ancien, quoi. Ouais. Oui. Puis il m'avait dit, tu fais une semaine et puis si ça te plaît, bah, tu dis. Qu'est-ce qui vous a plu alors, Michel Meunier? Le contact avec les adhérents, ouais. Le contact. Hein. Puis on est seul, quoi. On fait notre travail et puis voilà, c'est bien. Maintenant les tournées ont diminué parce qu'avant on faisait 12-13 heures par jour et maintenant on ne peut pas faire plus de 10 heures. Ben, la collecte, nous on le ramasse le lait, il y a des échantillons qui sont pris à chaque passage. À partir du moment qu'on pompe le lait, on a l'échantillonneur automatique qui prend un échantillon du lait et qui est analysé à l'Ursier la Carême. Et nous, après, quand le camion il est plein, on arrive ici, on fait un test pour voir s'il n'y a pas d'antibiotiques dans le lait, si le lait est de bonne qualité. Si le lait n'est pas de bonne qualité, c'est même pas la peine, on ne peut pas vider. Je ne quitterai jamais mon boulot pour rien au monde, pour n'importe quel boulot.